Bonjour les Minecraftiens, ici Salb35 pour un épisode important, car aujourd'hui, la prophétie s'accomplit d'une certaine manière. Tarjov, qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout. On s'en fout. Tu peux continuer. Non, Sébastien, dégage. Aujourd'hui, c'est un jour important donc parce que Jourix a fini de creuser la MC4 Mine, on vous la montrera après notre combat. Il a trouvé toutes les ressources pour construire la fusée, il lui manque plus qu'une source d'énergie. L'étoile du ciel, dont on avait entendu parler dans la précédente épisode. Ta gueule! T'es pas le président, on s'en fout totalement, t'es pas le président. Donc, arrête de faire des discours à noix. Qu'est-ce qu'il fout le mec? C'est un jour important. Non, mais non! C'est un jour tellement important qu'il est tellement important qu'il est important. Donc, en gros, Jourix a trouvé un chemin vers l'étoile du ciel. On aura probablement à combattre, qu'il nous a dit. Il nous a dit de manière un peu vulgaire, d'ailleurs. Je m'en fous, de toute façon, Jourix est toujours bizarre. Il a dit qu'il nous renverrait comme des chiens, que si jamais on n'y arrivait pas. Il prend un petit peu pour ses larbins, mais enfin bref. L'important, c'est que si on trouve cette étoile du ciel, on pourra fabriquer en quelque sorte le moteur du vaisseau et puis on sera bientôt parti de cet endroit. Et Tinjoff est devenu définitivement fou et il a... Putain mais... Oh non, il a tué un cochon. Il a tué un cochon. Oh purée. Oh l'armée qui descend. Derrière toi. Combattez pour votre fille. Le combat c'est pas censé être maintenant, putain mais... Non, ils sont trop nombreux. Mais les mecs quoi. C'est un défilé sur mon côté, c'est n'importe quoi. Wouh! Eh, c'est facile! Est-ce que vous aimez ce one shot que je vais leur faire? Bon, on s'en fout. Il faut qu'on trouve l'étoile du ciel. Vous dispersez. Oui. Vous vous étonnez. Mais après. Les légions des cochons sont sur nous. Nous devons fuir. Attends, désolé. La phrase je remonte. Allez, venez. Ah, je ne sais pas. On remonte par le Japon. Oh non! Ils sont derrière nous, courons! On rebouche le passage! Les mecs, qu'est-ce que vous foutez? On a été coincé dans un tunnel. Où est-ce que vous êtes, bordel? C'est où qu'on se fight? On se fight là-haut. Le chemin que nous a montré Jourix, notre prophète. Bande d'idiots. J'ai pas de bonne chance. Non. Bordel, vous êtes où? On est tombé en fait. Vous êtes tombé, mais vous êtes rigolo, vous êtes tombé, mais remontez. Bah on sait pas par où remonter. Oh, la sortie. J'ai pas de pioche. Ils sont insupportables. Vraiment. Bon allez, on y va cette fois-ci. On se casse, vous me suivez et vous fermez votre non couche. Vous me suivez moi. Putain. J'ai entendu un c'est le chemin des échelles. Attendez deux secondes. Aïe. Oh purée, remontez, il y a les cochons je pense. Ça continue. C'est le festival, donc. Allez, on y va, sérieusement. C'est la prophétie, vous respectez la prophétie, oui, merde. Bah oui, bah on respecte, justement, ils sont méchants. Faut aller trouver l'étoile du ciel, qui se trouve justement dans le ciel de l'enfer. Donc maintenant, vous vous taisez et vous me suivez. C'est noir. Et vous suivez Fanax. Faut faire gaffe, c'est... Bonjour, Wilson. Oh, je suis pas mort. Oh mon dieu, une statue. J'ai dégringolé de l'échelle. Bon, scène d'émotion, tu te casses, Ben. Hors de la caméra, merci. Voici l'hôtel. L'hôtel où tout se décidera. Oh mon dieu. Ça a l'air et franchement épique. La prophétie. Elle nous donnera accès à l'étoile du ciel. Désormais, let the storm rage on. Oh mon dieu. Donne-moi de l'eau, j'ai plus de... On s'en fout. On n'aura pas un nom, j'ai pas vu en temps ailleurs. J'ai pas de tête. Tu mourras de coiffe. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Canardez-le, il va vous tuer. Tu m'as envoyé une potion de poison, enfoiré. J'ai rien fait. Je t'ai vu avec des potions de poison dans la main tout à l'heure. Le Wither, il fait du Wither et pas du poison. C'est pas moi, je te jure. Ta gueule, je sais que c'est toi. Tu la fermes vraiment. Tu la fermes. Slash ban, je sais pas ce que je fais, on est en vidéo là. Et forcément, il faut que. Voilà. Il est insupportable, il bouge tout le temps. Ben 13, reviens! Salbé, donne-moi des flèches! Ta gueule, par pitié. Et j'ai pas de flèches!
ruche. M'en fous. T'as qu'à te débrouiller. T'avais qu'à pas nous faire chier avant. Prends ça. Deuxième question, c'est un joff là. T'as pas voir faire le malin longtemps avec moi. Je suis en fin de vie. Oh. Pour l'instant, il m'a pas trop focus. Hein. On dirait qu'il m'aime bien. J'ai navigation pas pour voir ma vie. Bah, je crois que c'est moi qui focus en fait. Je suis pas sûr, hein, mais. Les flèches me touchent pas, c'est insupportable. Force. Ouais, force. Hello. Mais. Oui, en effet, il a. Il a l'air un peu de te courir après. Ben, désolé. Donne-moi des flèches. C'est quoi cette espèce de grosse discrimination? Mais j'en ai pas. Oh, putain, si j'en ai. J'en ai plus que 20. Donne-moi des flèches. On n'arrivera même pas à le battre avec toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu la fermes, t'es un joff? Oui. Oui, mais je veux d'abord des flèches. Ah, tu vas mourir. Saleté. Ok. J'ai tué un joff. Il réapparaîtra sous une autre forme normale. C'est là. Je vais juste renvoyer d'où il vient. Eh, c'est bien en fait qu'il t'aggro, hein, parce que moi. Je peux lui mettre des flèches tranquilles. Je rate 3 quarts de mes flèches, c'est génial, ça fera quasiment pas. Saleté. On va pouvoir essayer d'avoir à l'épée au bout d'un moment, parce que ça va devenir impossible. Oh, massacre. Overkill. J'ai eu overkill. C'est quoi? Faire beaucoup de dégâts à l'épée, j'ai fait un coup critique avec la potion de force sur Ricky m'a vu. Le vilain. C'est normal parce que c'est la bedrock. On l'a, c'est bon. La potion de force va tout changer. C'est bon, on va l'avoir. On l'a. J'ai l'étoile du ciel. Je l'ai en main. Enfin, on va pouvoir accomplir la prophétie. Pour fêter ça, je mange du pain. Voilà. Pour fêter ça, pizza. Bon. Pour fêter ça, je suis en train d'agoniser. C'est ce que j'aime. Bah, moi, un peu aussi. On a tous pris ce combat. Élevons ce monument à la gloire de l'homme. T'es sérieux, mec? Une tour en lapide azuli. Oh là là. Comme quoi j'aurais laissé ma trace dans ce monde. Ah, tiens, avec du verre. Ben 13, Ben 13 alias l'office 2. Par contre, je sais pas comment je vais descendre. Eh bien, voici ma nouvelle maison. Il est sérieux. Il s'attendra. Tu peux m'enfiler, s'il te plaît? Bah, moi, attends, je vais taper. J'en ai pas. Tu peux me filer des blocs? Non, j'en ai pas. Oh, j'en ai plus, moi. Vous pourriez pas mettre un trampoline en bas? Trampoline? Bah, faudrait que je sacrifie l'étoile du ciel et je pourrais invoquer un bloc de slim, mais bon, je pense qu'on a autre chose à faire avec. Hein. Ah, sans doute autre chose attends, à faire. T'es où? Je peux te faire descendre d'une façon assez cool. Ouais, mais je suis con. Façon assez cool. C'est une façon assez cool. Oh, mon eau, elle s'est évaporée. Imbécile de moi. Me faites pas tomber. Bon, On peut pas. Bon, bah, on va pour la France. Je suis pas mort. Pour la France, c'est yolo. Enfin bref. Voilà, donc Ben 13 nous a. Ben 13. Tarjos nous a cherché. On peut rentrer à la maison. Oui. Oui. Aïe. Et donc maintenant on va pouvoir fabriquer le module de commande. Ouais. Donc un épisode pas très long mais intense. On l'a eu. On a bien galéré à l'arc. Oh, il y a de la lave. Il y a de la lave qui coule dans l'échelle. Hein? Allez, pointez-vous, moi, de toute façon, je m'en fiche. C'est l'apocalypse. J'y vais. Je vais mettre en cadre cette star, l'étoile du ciel. Donc, Oh là là. Tu fais quoi, là? Je sais pas. Mon étoile? Elle est où? Je sais pas. L'étoile a disparu. C'est lol. Trouvé, hein. Oui. Rollback. Ça paraîtrait bizarre qu'un objectif. L'étoile était restée de l'autre côté. Bon, voilà, je l'ai ramassé. Maintenant, je retourne de l'autre côté. Du bon côté. Je ne sais plus. What? Ouf. Bon. C'est parti. Finalement.
Je n'ai absolument aucun sens d'orientation. Je préfère ce monde. Ça doit être par là. J'aime mieux. Enfin. Ah bah les cadres ont disparu. Les pommes avec. Un creeper a dû exploser dans le coin. Bah, oui, grave. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un creeper qui m'a un peu dans attaqué. Par autre, au milieu, vous avez l'étoile du ciel. Comme ça, vous le savez. Et donc, nous avons présenté les constructions de Joris. Malheureusement, je ne sais plus trop où est le portail. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la base secrète de Tinjov qu'on vous a cachée jusqu'à maintenant. Je suis en train de me diriger vers la forteresse. Tinjov nous a montré il y a peu de temps. Mais maintenant, il n'est plus de ce monde. Il va se réincarner dans sa bonne forme. Mais il nous a saoulé, l'autre. Hein. J'ai eu un accès de rage. La justice de CLB est impitoyable. Tu m'étonnes. Non. La base secrète de Tinjov. Sérieux, pas mon armure. Avec je le suis réacteur, là. Avec le réacteur qui produira l'énergie. Qui aura pour nécessité l'étoile du ciel. Je ne pourrai pas mourir. Elle nous permettra de construire la fusée. Et pour ça, on a besoin d'autres matériaux que Joris a isolé. Je vais vous les montrer, c'est par là-bas. C'est un petit peu loin, mais on devrait pouvoir y accéder. Je suis tellement en train de... Attends, mais je sais. Quoi. Non, mais suis-moi, c'est pas par là. Où? C'est par là, en fait. Hein. Ah, merci. Oh, si tu suis ce chemin, ouais, il y a ma base. Direct. Par la terre, c'est plus direct. Par là, on a toutes les ondes d'Eldaimon. Eldaimon qui s'est absenté un jour et qu'on n'a pas revu. Et il était très occupé, le pauvre. Eh, regarde où je monte. Ça pourrait peut-être t'aider. Bah oui, c'est là que je... Bon, bah j'ai retrouvé mon chemin. Ouais. Donc, on va vous présenter la MC4 Mine. C'est la mine de la MC4, si vous n'êtes pas anglais. Bon, là, le jour où tout le monde s'est rendu compte que c'était vraiment de l'esclavage et que ça devrait pas être légal. C'est illégal, mais on s'en fout, on essaie de survivre. Oui, mais Joris prend quand même un petit peu trop de plaisir. Allez, je te suis, Ben. On y va. Non, elle est où ma base? Je l'ai paumée, ma base. Est-ce que c'est là? Oui, c'est par là. Donc là, nous avons la maison d'Eldaimon, la maison de Ben. Et puis par là-bas, nous avons bientôt, vous la verrez. Attention. Wow. La MC4 Mine. Tada! Oh, tada! Non, mais en fait, je suis en train d'essayer. On a isolé tous les minerais visibles. Pour l'instant, il n'y en a pas trop de visibles là. Ce serait juste un suicide d'aller en bas. Par la manière forte. Bon. Quelle est cette manière? Le saut dans le Ah. Découragement. Bah fais-le. Fais-le ce suicide. Ah. Non merci. Là je vais descendre de manière un petit peu aléatoire. Mais je vais y arriver. Me voilà. Et vous voyez au fond plein de ressources. Plein de choses que Joris a isolées pour construire la fusée. Vous verrez ça donc dans les prochains épisodes de Minecraft vous êtes offert. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était Selber. Et l'incendie de Fanax est toujours là. Donc, nous allons désormais créer le moteur. Le moteur. Le moteur utilisant l'étoile du ciel. Que nous avons là, hein, je rappelle. Ouais. Faudrait que j'arrive à retrouver la base parce que Sweezer m'a paumé. Une obsidienne. Bon d'ailleurs... Et attention. Voici l'étoile. Le moteur que je pose délicatement ici. Boom. Voici. Initialisation en cours. Il a tout un tas de fonctionnalités. 10%, 20%, 30%. Ouais, 50%. Ouais, mais c'est bien tout ça. 100%, à l'image terminée. Retrouve qu'un vaisseau détecté. Pour construire ce putain de vaisseau. Ils en payent. Voilà, donc on mettra au centre du vaisseau et ça va marcher. Tout fonctionne pour le mieux, la prophétie se révèle être correcte. Donc du coup, on va pouvoir se casser de cette île dès le prochain épisode. Mais vu qu'on a quelqu'un qui nous pose des mots partout, je pense que ça ne se fera pas tout à fait sans encombre. Donc, j'espère que c'est le dragon. C'est pas forcément un dragon, arrête de dire ça. Je suis sûr que c'est vrai que les dragons sont très très puissants et très très vicieux, donc bon.
c'est possible. Donc je vous donne rendez-vous et je vous hype pour le prochain épisode, les amis. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu, qui aura été bien épique. Donc je vous remercie le visionnage et sur ce, je vous dis au revoir. C'était Salbert. Ouais, regardez les viewers, regardez ça. C'est fun. Je me douche dans les diamants et j'aime ça. Oui, j'aime ça.